Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, Dieu merci. Si vous n'êtes pas abonné à cette vidéo, tout s'abonner, abonnez-vous tout de suite, activez la cloche et en cliquant sur un sous-bon, vous aurez accès à notre page d'accueil où vous verrez nos trois autres chaînes. Abonnez-vous sur nos trois autres chaînes et activez la cloche là-bas parce que c'est extraordinaire. Et ce que nous allons voir ici, ça peut être irréel pour vous. Mais ça existe vraiment. Mais avant de voir cette histoire, nous allons vous poser une question, mes frères et sœurs. Dites-nous, qui aime l'argent ici? Bon, non, c'est trop facile. Qui n'aime pas l'argent? Voilà, ça c'est une très bonne question. Qui n'aime pas l'argent ici, mes frères et sœurs? Qui n'aime pas l'argent? Qui d'entre nous déteste au plus haut point le money? Si vous êtes une personne qui aime l'argent, c'est extraordinaire. Si vous êtes une personne qui n'aime pas l'argent aussi, qui déteste même l'argent, ça aussi c'est vraiment extraordinaire. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, l'argent est utile. Et on l'utilise. Vous faites tout ce que vous connaissez déjà, on n'a pas envie d'entrer dans les détails. Et ici, nous allons voir comment le diable utilise ce besoin-là pour pouvoir même plonger les gens dans un système de pacte avec les démons. Mes frères et sœurs, ce que nous allons voir ici, ça va même vous étonner. Mais, il ne faudrait pas que ça vous pousse à aller jeter un coup d'œil pour voir comment ça se passe ou chercher à découvrir comment ça, on peut réaliser ça et comment faire pour avoir ça. Ici, un homme va parti de A à B par la magie pour pouvoir faire apparaître de l'argent dans une calebasse. Hier, nous avons fait une vidéo qui parle de portefeuille magique et aujourd'hui, nous sommes encore dans une deuxième vidéo qui parle de calebasse magique qui produit de l'argent et en euros. Ça peut vous paraître bizarre, mais ce que nous allons voir, ne faut pas que ça vous étonne. C'est un piège du diable. N'entre pas dans de telles histoires. Mais pour ça, vous dire même, il faut être prudent. Bon, assez bavardé maintenant. Allons voir. Vous serez même surpris. Ceux qui pensent qui seront choqués, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante. Il faut mieux prévenir que guérir ici. Bon, ok. Regardez-moi ça. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça, mes frères, ça? Ça, c'est un beau et joli piège. Un piège doré. En fait, c'est le money. Beaucoup d'argent qui apparaît juste ici. Et ça produit beaucoup, beaucoup, énormément d'argent qui pourrait t'intéresser. Mais il faut savoir que cet homme est parti d'ici. Une calebasse vide. Au niveau A. Pour parvenir au niveau B. Une calebasse remplie d'argent. Comment a-t-il fait cela? Il va nous expliquer. Et c'est là que vous allez voir le truc. Mais vous pouvez déjà jeter un coup d'œil sur le camp et voir qu'il y a un truc qui apparaît là. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce une potion magique? Est-ce que c'est réel? Est-ce que tout ce que vous allez voir ici, c'est du fake? Ou c'est une vidéo pour faire le buzz? Vous serez même surpris. Si vous pensez que la vie c'est de la blague, faites attention. Sur la terre, il y a le diable et ses démons. Et eux, ils travaillent 24 heures sur 24 pour vous chercher. Eux, leur travail c'est de chercher, gagner des âmes. Le Seigneur Jésus-Christ dit, allez faire de toutes les nations mais des disciples. Eux aussi, ils vont gagner des âmes. Et les âmes qu'ils recherchent aujourd'hui sont parmi nous. Et c'est nous qui sommes concernés. Pour vous sauver la vie, nous faisons cette vidéo. Pour vous dire que si vous êtes déjà impressionné par les choses de ce monde, faites très attention. Parce que ça, c'est extraordinaire. Et c'est une chose qui peut sans doute vous amener à accepter cette calebasse mystique. Comme vous le voyez, ce sont des voitures de luxe. Et ça, dans notre monde, ceux qui ont raison, on peut les compter à bout du doigt. Mais il y en a.
Comment ces personnes ont-elles fait pour avoir tout ça? Vous ne pouvez pas vraiment vous en douter. Vous doutez que derrière ça, il y a des pouvoirs magiques. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des voitures de luxe, des voitures hors du commun. Waouh! Quand tu vois ça, tu dis, oh, j'aimerais avoir cette maison et avoir cette voiture aussi. Aïe, 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 aïe. Ce serait bien. Et regardez, voilà, c'est le monde dans lequel nous sommes. Et tout ça, ça impressionne les gens. Pour pouvoir avoir toutes ces choses, il faut absolument de l'argent. Il faut que vous ayez l'argent. Donc le diable, va vous rendre le service, c'est-à-dire un service qui est sans doute pour lui le plus beau service à offrir à quelqu'un qui veut toutes ces choses. Donc il va vous offrir l'argent, money. Mais vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je vais offrir au diable en retour? Parce qu'il y a quelque chose à offrir en retour pour avoir même toutes ces choses que nous allons vous montrer ici. Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas vraiment avoir. Si dans cette vidéo vous voyez un numéro, n'appelez pas ce numéro. Nous sommes d'accord. Est-ce que nous sommes d'accord? Bon, d'accord. Soyez prêts. Nous allons bientôt lancer. Oui, alors vous allez voir tout de suite. Bien. Ok, là c'est parfait, c'est prêt. Regardez maintenant là. Que voyez-vous? On voit une personne qui tient une calebasse. Bon, c'est pas trop bien présenté. Permettez-nous qu'on fasse une petite chose rapide pour que vous puissiez voir au moins avec les détails, avec quelque chose. Ouais, donc il faut que ce soit présentable. Mes amis sont jolis. Pour faire rire, mais il faut que ça soit présentable quand même. Hein? Voilà, bon, attendez, vous allez voir tout de suite. Vous allez tout de suite voir. Ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et puis soyez prêts. Parce que là, c'est bon. Bon, si vous voulez savoir, nous essayons de positionner les éléments ici. Voilà, pour que vous puissiez en même temps voir cette vidéo et puis voir tout ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Maintenant, regardez. Là, nous avons tout. Nous étions au niveau A ici. A ici. Vite. Pour parvenir au niveau B. Mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, maintenant, vous allez venir voir ça. Regardez ça. C'est ici que tout se passe. Regardez bien. Ici, c'est la calebasse magique. Voilà. Ça produit l'argent. Ça a aidé les gens à devenir riches. Ça a aidé les gens à créer des entreprises. Ça a aidé les gens à construire des étages. Ça a aidé les gens à payer des voitures de haut de gamme. Celui qui dit, il n'existe pas le bédou magique. Le bédou magique existe. Moi, je suis enfant de Maître Joseph. Il existe vraiment la calebasse magique. Il faut regarder. Donc, il est en train de nous convaincre que la calebasse magique est réelle. Il y a même d'autres astuces, d'autres trucs, comme le bédou magique, on a traité ça hier. Mais écoutez bien, regardez bien. Déjà, vous allez voir des bougies blanches et des bougies rouges dans sa main. Ça veut dire que là, c'est un rituel qui va commencer. Ce qui va vous connecter au démon. Attention. C'est deux bougies. Blanc, deux rouges, avec perles. Plus un grand curry. Je vais verser un peu de parfum. Je vais verser un peu de parfum. Donc il nous dit que le petit truc là, c'est du parfum. Ça veut dire que ce parfum là existe sur le marché, mais il est uniquement utilisé lors des rituels. C'est pourquoi il faut éviter certains parfums. Mais vous les ignorez la plupart du temps. Que Dieu nous aide à découvrir toutes ces choses pour vous les révéler dans les vidéos qui vont suivre. Si j'ai fini de verser le parfum, alors... Je vais... Comme vous l'avez vu, c'est vide, hein? C'était vide. Voilà. Là, on est d'accord que c'était vide. Et les choses qui sont à l'intérieur, ce sont quoi? Ce sont les bougies blanches et les bougies rouges. Avec le curry, plus le parfum qu'il a versé à l'intérieur. Maintenant, vous allez voir. Regardez bien. Je vais fermer la calebasse magique. Le numéro de mon père. Je suis son enfant. Celui qui dit...
N'appelez pas le numéro. Ah, s'il n'existe pas, la personne n'a pas regardé. Je vais attacher la carabasse magique. Je vais attacher. Je vais attacher ça. La carabasse magique, je vais attacher. Je vais bien attacher. Je vais bien attacher. Il faut bien regarder. Il faut bien regarder. Celui qui dit il n'existe pas, le bédou magique n'a qu'à bien regarder. J'ai fini d'attacher. J'ai fini d'attacher. Je prends ça en main et je vais dire si c'est le vrai calebasse magique, ça n'a qu'à produire l'argent. Si c'est le vrai calebasse magique, ça n'a qu'à produire l'argent. Si c'est le vrai calebasse magique, ça n'a qu'à produire l'argent. Si c'est le vrai calebasse magique, ça n'a qu'à produire l'argent. Et je vais te déposer. Et je vais détacher un à un. Il faut bien regarder, il faut bien regarder. Chez nous ici là, on ne fait pas faux. On ne fait pas faux chez nous. Mes frères et sœurs, est-ce que il y aura vraiment de l'argent à l'intérieur ou pas? Selon vous, dites-moi maintenant. Est-ce qu'il y aura de l'argent à l'intérieur? On dit le diable peut faire des miracles. Mais c'est des faux prophètes qui font aussi des miracles. C'est là que vous allez comprendre que nous ne devons pas être séduits par ces choses et que nos yeux doivent être bien ouverts et ne pas nous laisser tromper par tout ce qu'on voit même à la télévision et même dans les publicités. Regardez même ça. Et je dois ouvrir. Ouh! Là, on voit quand même quelques billets à l'intérieur. Regardez bien. Ça va produire l'argent. Ça produit euros. 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 Celui qui dit qu'il n'existe pas, le bédou magique existe toujours. Il existe toujours les doux magies. Ça produit héros. D'accord? Ça produit. Ça produit héros. Ça produit héros. Ça là, ça va 50 euros. 50 euros. Ça produit héros. La carabasse magique. Ça produit euros. D'accord, celui qui dit, il n'existe pas la calebasse magique. La calebasse magique existe toujours. La calebasse magique existe toujours. Mes frères, est-ce que c'est de la blague? Est-ce que cette miniature, est-ce que cette miniature-là même, c'était du fake? Est-ce que c'était du fake? Chez nous aussi, le fake n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu ici sur un sous-bord. Tout ce que nous vous montrons est réel. Si les sorciers peuvent faire ça, que peut faire Jésus-Christ maintenant pour nous? Que peut faire Dieu pour nous maintenant? Nous qui sommes ces enfants que nous cherchons. Ah, c'est pas facile. C'est dur. Mais Dieu peut nous bénir aussi. Que tout ce que nous venons de vous montrer ne vous impressionne pas. Même si vous êtes séduit par ces choses, ne soyez plus séduit par tout ce que nous sommes en train de vous montrer. Parce que ça, ce sont les armes que le diable utilise pour avoir les gens. Maintenant, quelqu'un qui a, je vais vous donner de l'argent. Et cet argent est l'objet de faire des rituels pour que cet argent apparaisse, vous aussi. Comme une chose invisible peut produire de l'argent. Et puis ça va être réel comme ça. Bon, qu'est-ce que vous allez donner à la personne qui a fait ça? Ou aux choses invisibles qui sont même des démons qui ont produit cet argent. Bien évidemment, vous allez offrir quelque chose aux démons là, ou aux génies invisibles. Et ces choses là, ça doit être aussi une chose immatérielle. C'est là les gens vont les abouter comme ça, juste comme ça. Ou vous commencez à sacrifier les membres de leur famille afin que leurs âmes soient emprisonnées dans le monde de l'esprit. Et c'est leurs esprits qui ont été captivés là, qui vont maintenant produire de l'argent à leur place.
Et tout ce que vous aurez, vous verrez chez eux, comme meubles, comme biens, même vous verrez la maison, la voiture, vous direz, ah, cet homme a l'argent. Mais en réalité, c'est l'esprit de la personne qui a été sacrifiée là, qui lui donne l'argent. Voici ce qui se passe. Ne vous laissez plus séduire, mes frères et sœurs. Si tu ne sais pas comment Dieu a fait pour créer l'homme, pas chercher à sacrifier quelqu'un. Et fais attention à tout ça. Toi, tu dois travailler dur comme nous. Est-ce que vous avez regardé la vidéo précédente? Sous la vidéo précédente, il pleuvait. Nous étions sous la pluie. Mais c'est pas ce qui nous empêchait de réaliser cette vidéo. J'avais dit que vous devez affronter les difficultés, aller jusqu'au bout, avoir votre argent. Même vos enfants vont vous remercier parce que l'argent que vous avez là, c'est du vrai. C'est de l'argent pur à la suite de vos fonds. Eux aussi vont suivre votre chemin. Abonnez-vous, activez la cloche. Cliquez sur la page d'accueil. Abonnez-vous sur notre site, si vous n'avez pas encore activez la cloche là-bas maintenant et restez connectés. Nous sommes en train de travailler pour vous offrir des choses qu'on vous étonnez. Que Dieu nous aide. Et que vous aidez à faire le bon choix aujourd'hui. N'appelez pas ce numéro. Faites très attention à votre fille. Car elle se trouve entre votre main. Je vous laisse le faire.